bénissons et nous te rendons toute la gloire. Notre Dieu puissant, merci pour ta parole. Je te veille sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. Merci d'honorer de ta présence. Je m'abandonne dans les creux de ta main. Utilise-moi et bénis chacun d'entre nous ce soir. Amen. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Vous asseoir, que Dieu bénisse. J'avais tout à l'heure demandé de prier. Ah, chacun ne veut pas rester au Maroc ici. Vous voulez traverser Maroc, partir. Oui. Ouais, c'est important. Vous êtes venu vous chercher, pas pour y aller au Maroc. Il faut être révolté. Je vous parlais de la révolte de David. C'est parce qu'il était un homme révolté contre les menaces de Goliath. Que Dieu lui a donné l'onction pour vaincre Goliath. Amen. Il n'est pas révolté, Dieu n'a pas donné l'onction. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse, que Dieu vous fortifie. La retraite se poursuit. Tous les soirs d'ailleurs, il y a des séries d'enseignement pour vous équiper. Et ça, c'est important. Amen. Peut-être qu'on vous équipe. Sur les stratégies du diable, comment le diable travaille. Amen. Amen. Comment le diable opère. Et ça, c'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour ceux qui m'ont soutenu un peu. J'attends votre soutien. Vous pouvez y aller. Sylvie, la sœur congolaise derrière, la sœur camerounaise là. Françoise, merci. Merci. Françoise, Sylvie. Tu es là aussi? Moi, je m'appelle. Ah non, ok, chantez. Amen. Elles sont trois, donc on attend vos soutiens. C'est important pour nous. Si vous ne nous soutenez pas, nous serons obligés de retourner en Côte d'Ivoire sans problème, parce que là-bas, on n'a pas de problème. Oui, parce qu'on a décidé d'être ici. On ne vous a pas tendu la main. Mais si on est dans le... On a des besoins, il faut qu'on vous explique. Parce que le séjour, c'est coûteux. Le séjour est coûteux. Avant que je n'arrive ici, déjà, j'ai fait au moins 3 jours là-bas, en train de me reposer. Et puis, en même temps, Casa, autant pour moi, Casa, pour aider les gens spirituellement, Ibis, ça fait 700 dirhams par jour. Voilà. Donc, imagine-toi, 700 dirhams, il faut manger et tout ça. Voilà, ça, tout ça. Pour que je sois ici, il y a des voitures qu'on a louées, il y a trop de choses. Les billets d'avion, pratiquement 500 000 francs pour qu'on soit ici. Oui, pratiquement 500 000 francs pour qu'on soit ici. Tout ça, ce n'est pas, c'est sorti de notre poche. Pour pouvoir vous apporter beaucoup de choses. En temps, comme je disais, on a laissé beaucoup d'activités pour être ici. Ce sont les périodes de vacances, il y a des invitations dans les villages, mais comme nous autres, il y a un grand besoin. Et généralement, ceux de la diaspora ont tellement de besoins, vous souffrez. Dieu nous a mis à cœur d'organiser, n'est-ce pas, ce programme, et enfin de pouvoir vous aider. Mais ça avait beaucoup de difficultés, parce que par moments, c'est des pour être ici. D'autres ne comprennent pas. C'est pour ça que par moments, quand les gens, quand on les regarde, on oublie de dire, vous là, c'est parce qu'on est amour qu'on vous regarde. Sinon, ce n'est pas une prise en charge. Oui, ce n'est pas forcé. C'est l'amour de Dieu. Les gens ils pensent que c'est forcé, c'est une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. C'est l'amour de Dieu qui nous amène à être ici. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une question de promesse. Sinon, on ne serait pas ici. Voilà, on ne serait même pas ici. C'est parce qu'on a envie de vous aider. Nous sentons que vous êtes dans les difficultés. Les besoins sont tellement énormes. Quand les gens appellent au cabinet, et la plupart même des gens qui ont des difficultés sont les gens de la diaspora. Et c'est vous qui nous suivez le plus par rapport à ceux de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont déjà la chose sur le terrain là-bas. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes ici, nous sommes confrontés à certaines difficultés. Il y a la maison à régler, il y a certaines choses à régler. Voilà, donc le départ en principe, c'est le mardi. Nous partons dans la nuit du lundi au mardi. Et directement, nous tombons dans un grand programme parce que nous avons encore une très grande retraite spirituelle la semaine prochaine à Divo. Une très grande retraite spirituelle. Il y a des émissions, dès que je descends du genre, j'ai des émissions télé, déjà, c'est déjà calé, j'ai des émissions télé, aller sur Divo pour commencer une grande retraite. Parce qu'il y a plein de monde qui sont déjà en vacances, qui attendent que je rentre déjà pour que il y a ton mari, ton fiancé. C'est ma écrit, mais c'est ton mari. Oui. Donc, tu vas te regarder en direct. Si tu es fiancé, tu as des comptes à l'envie. Donc, il m'a écrit sur le Skype. Oui, il m'a écrit sur le Skype pour dire qu'il attend. Bon, il y en a plein comme ça. Il y a au moins plus de 200 personnes venant de l'Europe qui attendent comme ça à Abidjan. Ils attendent qu'on nous rentre. Mais, en fait, pour nous, c'est vraiment important que cette rencontre soit bénéfique pour chacun. Et qu'au travers de cette rencontre, que Dieu nous utilise puissamment pour vous délivrer. J'ai toujours dit que ce n'est pas le crachot qui est fort, c'est Jésus qui est fort. Amen. Moi, je me laisse entre la main de Dieu pour qu'il m'utilise au maximum pour vous délivrer des situations. Amen. Surtout que moi, je suis un homme révolté contre les œuvres du diable. Je suis révolté
contre les œuvres du diable. Moi, c'est une manière pour moi de défendre ce que le diable. C'est-à-dire que le diable m'a fait pleurer tout le temps. Ma vie, c'est ça, c'est des pleurs. J'ai pleuré tout le temps. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu tout ce qui était cher autour de moi. Je faisais qu'il pleurait jusqu'à ce que Jésus-Christ s'est révélé à moi. Et je me dis, j'ai des personnes que je ne dois pas laisser dans la souffrance. Mm-hmm. Donc, au prix de ma vie, il faut sauver les gens. Sauf ça que Dieu m'a donné certainement l'onction pour vous aider. Voilà. Donc, c'est Jésus qui est plus fort. Quand je vous donne un rendez-vous que je ne respecte pas, peut-être, voilà, peut-être, ça n'avait pas dit que je vous ai zappé. Oui, parce qu'il y a des dossiers. Oui, je ne suis pas un homme qui vient faire du semblant. Quand vous voulez aider quelqu'un, aidez-le à fond. C'est ça que je suis constamment dans la chambre. Parce que j'ai un contact. Vous savez, le professeur, le prophétique. Le prophétique est très bizarre. C'est le contact qu'on a. Le prophétique est le porte-parole de Dieu. C'est le contact qu'on a avec le ciel. Parce que je pense que quand on donne quelque chose, on communique quelque chose, ça fait quelque chose de vrai et de puissant. Alléluia. Amen. Vous serez très bien reçu par la grâce de Dieu. Vous serez béni. Amen. Et ce contact d'abord nous permet de vous suivre. Parce que c'est le suivi qui est important. Amen. Or, le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'aiment pas être suivis. Or, les gens n'aiment pas respecter ce que le prophète dit. Si tu ne respectes pas, moi je zappe sur toi. Oui. On dit confiez-vous en ces prophètes, en l'Éternel. Vous serez affermis à ces prophètes, vous recevrez. On a toujours besoin d'un guide spirituel, on a toujours besoin d'un guide, c'est important. Même David, le roi David, il avait un voyant qu'on appelait Gad. Gad était le voyant de David. Dans le ministère du prophète est très important. Voilà, c'est très très important. C'est vrai qu'on a des bergers, les gens. Mais le prophète est un consultant et un guide spirituel. Oui. Celui qui nous oriente et tout ça. Donc le ministère prophétique est utile encore pour l'Église. Amen. Amen. Donc ce contact nous permettra, n'est-ce pas, de garder encore un contact approfondi. Parce que là, on aura l'occasion d'échanger. Parce que j'ai aussi des numéros privés. Ce n'est pas les, tous les numéros que je donne d'ailleurs. Pour comme ça, si vous avez des petits soucis, on puisse vraiment régler ça, c'est important. Amen. Voilà, vous interdit pas de fréquenter les églises, non. Mais il faudrait qu'on puisse vous suivre. Ça, c'est vraiment important. Alléluia. Amen. Notre stratégie, notre vision, c'est quoi? C'est vous permettre de venir investir au pays. Voici un peu notre vision. Amen. Amen. Voilà, c'est notre vision. C'est le combat que nous menons. Et nous savons que vous êtes beaucoup attaqués. Il faudrait que nous prions pour vous amener au pays. Or, vous savez, réalisez dans tous les pays, le nom est stratégique. Tous les pays que vous voyez, dans tous les pays, quand on va démarrer une guerre, ça va commencer par le nord. Le nord. Le nord est très stratégique. Voilà, très stratégique. Or, vous savez que c'est à partir du nord de l'Afrique qu'a commencé la grande civilisation, je parle de l'Égypte. Tout est parti de l'Égypte. Le nord sert de pont, ça va servir de pont. Le nord, côté africain, va nous servir de pont. C'est-à-dire, c'est à partir de là, nous allons régler par la grâce de Dieu beaucoup de choses. Notre vision, c'est de vous aider. Amen. Amen. C'est de vous aider au maximum pour vous amener à revenir au pays. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous assure, vous le savez, vos pangs, les pangs, je peux pas, ça ne peut pas venir. Les blancs vous diront un jour, ça nègre. Ils vont te rappeler ça. Même si tu as dit, non, j'ai la nationalité britannique, voyez, quand on te dit, hey, tu es gagne-toi, allez, va chez toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes un jour appelé à partir. Ça, c'est important. Alléluia. Amen. Or, il faut préparer ça. Tout se prépare. Tout se prépare. Or, si vous n'êtes pas préparé ça spirituellement parlant, c'est fini. Vous allez rentrer zéro. Les mêmes gars là vont se moquer de vous. Mm-hmm. On dit un bengis parisien moisi. Un bengis moisi. Un bengis moisi. Ils vous attendent. Hein? Vous allez envoyer les portables de nos générations, filmer les gars. Ils vous attendent au pays. Donc, et si vous êtes bloqué spirituellement, il sera difficile pour vous d'avancer. Vous avez besoin de plus d'aide. Ce n'est pas à cause des erreurs. Ça veut dire que vous n'allez pas. Amen. Amen. Il faut qu'on prie pour que vous ayez ça. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, investir au pays. C'est vrai que je devais être en France. Je vais expliquer un peu parce que je crois qu'aujourd'hui, même sur le Face, il y a des gens qui ont voulu qu'on dise depuis que tu arrives au Maroc, tu n'as pas encore expliqué ton problème. Pourquoi tu n'es pas encore oui? Parce que souvent, les gens me posent des questions. Donc, je réponds directement dans une vidéo parce que c'est une chaîne de télé. Cette histoire de France, je vous explique. On devait arriver en France, tout était fin prêt par la grâce de Dieu. Et puis du coup, j'ai un frère qui a surgi dans notre affaire. Il s'appelle Asumu, qui a surgi dans notre affaire, qui a porté la peau d'un frère en Christ. Or, c'était un mercenaire, c'était un agent du diable. C'était un agent du diable. Or, il rentre en contact avec la sœur Diamant, il veut contribuer à notre arrivée, tout ça.
C'est un frère, il y a une sœur camerounaise qui est à Lyon, la sœur de l'autre Sylvie, qui avait déjà commencé parce qu'on devait visiter 10 villes au moins de la France pour aider la diaspora. C'est un peu notre stratégie. Priez pour vous pour vous envoyer. Or, quand les gens ont vu déjà des annonces au niveau de l'Internet, les pasteurs, soi-disant pasteurs, ont commencé à former un clan pour pouvoir m'attaquer. Or, le monsieur faisait partie des éléments de cette personne-là. Donc, il s'est infiltré, il est venu dans l'organisation pour saboter. Pour saboter la chose. J'explique. Il se met là. D'abord, la sœur, même si lui est là, ils vont appeler. On a mis le comptant, on les a mis en contact avec la sœur Laure de Lyon, que j'ai eu aujourd'hui tout à l'heure. Je l'ai eu sur Survivor. Si ça m'a appelé. Elle m'a appelé Survivor. Je l'ai eu sur Survivor tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle voulait contribuer. Si elle est au courant, elle voulait contribuer. Ils ont même trouvé la salle. Ils ont même trouvé une résidence pour nous et tout ça. Donc, c'était déjà fait prêt pour Lyon. Entre en contact avec le frère. Le frère ne voulait plus entrer en contact avec les sœurs. Donc, du coup, quand j'ai vu un peu les choses, j'ai commencé à attirer l'attention de la sœur Diamant. Or, le monsieur, dans le secret, il était en train de faire un travail où il était en train d'embarquer les gens. C'est-à-dire qu'il prenait, il avait déjà fabriqué les tickets parce qu'au fait, on devait aller faire un concert, n'est-ce pas, permettre aux gens, et puis dans le concert, organiser des séminaires. Voici un peu la stratégie qu'on a mis en place pour ça. Donc, déjà, il avait commencé à déjà prendre l'argent avec les gens par rapport à mon arrivée. Oui, si, si. Il nous a fait croire qu'il avait bouclé Lyon. On dit non. C'est Lyon, on a les informations, c'est Lyon. Quoi, c'est appelé la seule. L'on appelle, il ne décroche plus le téléphone. Bon, donc déjà, on a déjà commencé. Au départ, il nous a demandé de donner les papiers. Il a dit, moi, mes documents, là, c'est vraiment sérieux. Hein. Donc, on donne tous les documents. Il prend les documents, tout ça. Il nous déclare la SACEM. C'est-à-dire pour les actrices et tout ça, parce que je suis en même temps champ à la SACEM. Donc, il nous a envoyé un contrat. Le bail, on a signé le contrat. Il ramène. En son nom, il a une société de production. Donc, on ramène le contrat, arrivé là-bas, au juge J, c'est-à-dire qu'on devait partir, par exemple, aujourd'hui. Il nous fait venir quelqu'un à la veille pour nous envoyer un document. Un document qu'on devait introduire rapidement à l'ambassade. Et tout ça. Donc, on part pour les réservations de billets d'avion à Air France, où il y avait sa fiancée, effectivement. Quand on l'appelle, il ne décroche plus le téléphone. Moi, j'avais déjà dit à la soeur, nous sommes entrés dans un faux coup. Mais oui, il faut qu'on parte jusqu'au bout. Parce que tout cela, Dieu permet pour nous enseigner. C'est les enseignements et tout ça. Donc, on s'est engagé. Et le monsieur vient, il nous ouvre, on ouvre le document. Le document n'a rien à voir avec les premiers documents qui étaient faits en son nom. Donc, à l'époque, on l'a demandé, on a posé la question, mais le contrat qui a été signé en ton nom. Parce qu'il n'y a pas de contrat, ça dit, si je suis artiste, on partait justement faire le chant, de délivrance et tout ça, puis en même temps, profiter pour faire des séminaires et tout ça. Ça n'a rien à voir avec le nouveau contrat. Et quand c'est comme ça, il est rentré en bourse, on parlait avec comme du barré, c'est fini. Son portable, qu'on appelle, ne décrochait plus le téléphone. Or, les papiers, on appelle, on a eu le numéro de quelqu'un, on appelle le numéro de quelqu'un, le monsieur dit qu'on avait pas zoom. Ça veut dire que si on prenait les documents, qu'on partait à l'ambassade, c'est fini, on était fiché. Ils avaient déjà monté un coup pour ne pas me bloquer. Or, on était nez à nez à l'ambassade. J'ai dit à la soeur, elle a dit, oh, tu as vu. Et après ça, le monsieur en question, comme ses intentions n'étaient pas plus, il commence à dire, non, je lui ai dit, mais tu as vu où on est arrivé aujourd'hui, tu vois, on est arrivé aujourd'hui, reste ce que tu as fait, tout ça. Il commence à menacer, c'est lui qui menace. Je vais t'interdire. Il dit, toi, tu peux m'interdire. Si le territoire est européen, tu peux. C'est parce que moi, je n'ai pas envie de partir en une fraction de ce jour à Paris. Je ne vais pas à Paris pour me balader, pour manger dans New York, mais de pizza. Je vais à Paris pour travailler. Eux, on avait voulu faire quelque chose de grand. C'est pour ça qu'on a organisé la chose comme ça. Sinon, j'ai des invitations. Pour entrer en France, ça, c'est facile. Il a commencé à menacer, non, il va contacter l'Union Européenne pour ne plus que je te dis, ok. J'ai dit, ok. Ton vrai masque vient de tomber. Moi, c'est moi qui vais te ramener au village. Parce que cette terre-là, je maîtrise ça. J'aurais dit, je ne veux pas rentrer dans ton jeu. Parce que tu me fais pitié. Tu rentres dans ce jeu-là, il est détruit. Oui, parce que je suis dans la vérité, toi tu as le faux. Au lieu de te répentir, oh, le vrai masque des pasteurs, parce que lui-même, là, il m'a dit, officiellement, il m'a dit le nom des pasteurs qui s'opposaient à moi. Il a donné le nom des gens. Il a donné le nom des pasteurs. Tel pasteur. C'est Dieu qui faisait qu'il parlait comme ça. Et en même temps, il y avait des gens qui sont des chrétiens qui commençaient à s'élever contre la chose. Je lui ai dit, mais si Crasso vous effraie, si vous êtes des sorciers,
Si moi, mon arrivée à Paris vous effraie, c'est que vous êtes cherché. Donc, on a fini par comprendre. Donc, il y a au moins quatre frères qui ont voulu que je communique, comme il y avait la diaspora là. Je ne veux pas que ça soit un peu dans vos têtes. Il fallait que je communique. Le frère Assoumou, c'est un sorcier. Voilà, c'est un sorcier. Et je suis choisi cette histoire. Mais dans le secret, nous avons déjà des documents. Nous serons très bientôt en France. Voilà, c'est l'été. Ce qui nous intéresse, c'est le travail. Ce n'est pas aller se balader à Paris. Voilà, je m'excuse. Ce n'est pas aller se balader à Paris. Nous, on se balade, on travaille. On fait l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'on décide. Il y a beaucoup à faire ici en Afrique. Moi, je suis trop en Afrique. C'est pour ça que je suis content d'être ici. Je suis à Paris. Je viendrai à Paris très bientôt. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas ma priorité, c'est d'aider les gens. Je vais être là où Dieu me veut. Amen. Voilà. Donc les pasteurs, faites l'œuvre de Dieu. C'est important de vous engager véritablement dans l'œuvre de Dieu. Or, quand les gens sont en train de faire l'œuvre, c'est ce qu'ils disent aux gens. Un pasteur, un jour, j'ai dit, moi je travaille pour Dieu. C'est qui t'en est pas à Paris là. Nous on appelle ça comédie. Les gens n'ont pas le temps. Vous rencontrez combien de fois dans la semaine? C'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Quand tu devais travailler, tu t'en faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu que tu veux faire là, c'est en Afrique. Dans les villages, il n'y a pas d'église. Dans les régions, il n'y a pas d'église. Et toi, tu dis, tu aimes l'œuvre de Dieu. Viens ici, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Nous, on est toujours partis pour les croisades. Nous sommes des hommes de village, en train d'évangéliser nos parents, leur amener à la conversion vraie. C'est ça qui est important, de retourner la vision de Dieu, de permettre aux gens d'expérimenter réellement Jésus. Ça, c'est important. C'est pour ça que notre ministère est basé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Abidjan. On n'est pas qu'à Abidjan pour justement se reposer et faire l'œuvre de Dieu. Moi, je suis à l'intérieur pour retourner à l'œuvre missionnaire. Donc, il fallait que je touche un peu, parler un peu de notre. C'est très bientôt. Et puis, moi, ce n'est pas ma priorité. Il ne faut pas dire que c'est une priorité. Vous dites, non, Paris, pourquoi? Il y a plus de choses à faire ici. Amen. Donc, Amen. Ça m'a ouvert beaucoup les yeux et j'ai fini par comprendre qu'il y a tellement de sectes au lieu d'église. C'est des sectes. C'est ce qui intéresse les gens. Les gens dépouillent les gens, prennent les bijoux. Les gens sont choqués. Qu'un pasteur lui dit, donne-moi un bijou. Tu peux faire quoi ça? Tu n'as pas l'argent, moi il te dit, vide ton compte. Il dit, pourquoi tout ça? Si tu vides ton compte, les mots à partir. Tu loues les démons. C'est que tu as vidé compte, tu as donné des démons à partir. Vous ne connaissez pas les démons. Quand je vois quelqu'un prêcher comme ça, je le vois en disant, fils du diable. Amen. Amen. Voilà, le retour à l'œuvre de Dieu, c'est vraiment important. Jésus-Christ est Seigneur, les gens souffrent. Et amen. Que je demande aux hommes de Dieu, laissez-nous et abandonnez-nous entre la main de Dieu pour aider véritablement les gens. Et ça, c'est vraiment important. Amen. Amen. Les gens sont déçus. La plupart de ceux qu'on entend parler, même sur le Skype, sont déçus. Ils vont même plus à l'église. Ils ne font que même les cultes sur Internet parce qu'ils sont vraiment déçus. Ils sont terriblement déçus. Ils sont déçus. Et déçu. Amen. Amen. Alléluia, que Dieu Amen. Bénisse. Amen. Nous allons parler des points de contact. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai parlé de beaucoup de choses. L'importance de la consécration. Nous avons essayé de faire beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Et demain matin sera encore un moment très stratégique. Demain. Alléluia. Amen. Nous allons aborder l'aspect consécration. Je suis prophète. Amen. Prophète, comment, pourquoi tu ne fais pas, je pas fait comme toi? Non, 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 on ne peut pas faire comme toi. Si toi tu es professeur de français, moi je suis professeur de mathématiques, on ne donne pas les mêmes cours. Non, on ne peut pas donner les mêmes cours. Si toi tu parles du péché, moi il a parlé de comment entrer dans bénédiction. Amen. Chacun son message. Donc, même si je ne parle pas comme toi, il ne faut pas m'agresser. Amen. Parce que la Bible dit qu'il y a diversité de dons. Oui, il y a diversité de dons. Les gens ont l'habitude, ça dit aux gens, et leur ministère, c'est pour agresser les gens. Si vous voyez un pasteur en train d'agresser quelqu'un là, il est possédé. Non. L'autre ministère, même Jésus, notre ministère n'est pas fait pour attaquer. Moi, en Côte d'Ivoire, j'ai le secret de l'église dans ma main. Je vous disais ça la dernière fois, depuis 2010, je connais les pasteurs les plus grands sorciers de la Côte d'Ivoire. Ah oui, avec les vidéos à la pluie, des scènes horribles qu'un pasteur a filmé et qui m'a donné ça. La presse voulait ça. Je dis non, non. Ce n'est pas à moi de vous livrer le secret. Mais j'ai pris dans le secret. Les gens commencent à tomber là. Hein? Moi, j'ai pris pour ça. Mais ce n'est pas à moi de vous dire à l'église, ivoirienne est comme ça. Non. C'est pour donner le temps à Satan de détruire. Non. Que le scandale arrive, mais malheur pas. Je ne suis pas là pour donner quoi que ce soit. J'ai les éléments, j'ai le nom de certaines personnes. J'ai commencé à prier. Les gens commençaient à tomber un à un. Même avec la crise, les gens commençaient à fuir, ils ont quitté le pays. Oui.
Ils ont pensé à quitter le pays. Et qui faisaient des pratiques terribles. Mais j'avais le secret. Il y a d'autres gens qu'on appelait, qui nous agressaient, qui nous insultaient au téléphone. Mais jamais j'ai donné le nom. Les gens voulaient forcément des conférences de presse. Donne. Pourquoi? Non, non. S'il vous plaît, j'ai dit s'il vous plaît. C'est l'église, ça concerne que l'église. Dieu m'a donné ça pour prier. Tu vois, si un Kenyan, il y a des gens, leur chaîne de télévision, tel pasteur dans tel pays, voyez ce qu'il fait. Tel pasteur dans tel pays, voyez ce qu'il fait. C'est démoniaque. C'est pas biblique. Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est tout. Si tu sais que tel pasteur, il faut prier pour nous. Dieu est capable au travers de ta prière, même fermer l'église, dites satanique. Il est capable. Moi, j'avais des secrets des pasteurs. J'ai prié, les églises sont fermées. Alors, comment ça s'est fermé? C'est parce qu'ils n'ont pas l'onction. Quand les gens n'ont pas l'onction, ils attaquent ceux qu'on l'onction. Oui, ceux qui n'ont pas l'onction attaquent ceux qui n'ont, ceux qui n'ont pas l'onction attaquent ceux qu'on l'onction. Alléluia. Amen. On dit, faites très attention. Amen. Amen. Faites très attention. Jésus-Christ n'a pas que fait que guérir, prêcher seulement. Mais j'ai dit aux gens, Jésus a guéri les gens, Jésus a délivré. Une église qui ne peut pas te délivrer, il faut quitter l'église. C'est pas péché. Ben, Jésus-Christ est rentré dans le temple et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour libérer les captifs. Amen. Il a enseigné la parole, il allait délivrer. La parole ne délivre pas. Amen. Amen. Quelqu'un qui est possédé là, il faut le chasser, ces démons. Voilà. Tu fais corps à corps et tu chasses le démon. Tu n'es pas partout, je dis demain va partir. Il faut persévérer. Oui. Ben, il y a les délivrances, tu peux prendre deux. Il y a les délivrances qui prennent 6 mois. Oui, il y a les délivrances qui peuvent prendre 6 mois. Ça dépend de la possession. La dimension de la possession. Donc l'église est là pour délivrer les gens. Or, tu peux être un bon orateur, tu peux prêcher et même avoir un doctorat en théologie, tout ça prêcher. Mais tu n'as pas l'onction parce que ça va de pair. Prêcher, ok, tu deviens pharisien. Je sais que la différence entre Jésus et les autres, les pharisiens. Les gens voyaient que Jésus, son ministère était différent. Ils ont pensé à les persécuter. C'est ça quand les gens voient. C'est-à-dire, non, toi, mais est-ce que Dieu. Il dit, mais. Toi, est-ce que tu n'as pas fait comme Jésus? Que lui prêche. Il y a des personnes qui m'attaquent. Eux, c'est leur problème, ils m'attaquent. Que lui, il est dans la vérité. Il dit, bon, ok, tu as fait quel miracle? Tu as déjà fait quel miracle? Tu as une fois vu Jésus? Tu connais mon alliance avec Dieu? Et tu juges, tu sais comment Dieu m'a appelé? Tu penses que moi, je me suis levé le matin pour venir prendre la Bible? Est-ce que moi, je savais comment on peut prêcher Bible? Ça ne m'a jamais intéressé, Bible. Ah, il faisait là et là et là. C'est ça qui m'intéressait. Non! C'est Jésus qui s'est révélé à moi. Et je lui ai dit, j'ai vu Jésus. Toi, tu n'as jamais vu Jésus. Vos histoires de Jésus, images de Jésus. Tout d'ailleurs, ce n'est pas Jésus. Les images bizarres, vous procollez. On vous prend les films. Les films, c'est les acteurs des